Hey yo tout le monde, c'est Thiob, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Satisfactory. Alors, je suis en train de chercher des Summersloops. Donc là on va récolter notre premier Summersloop, donc on va voir ce que ça va nous donner. J'en avais déjà récolté un Summersloop. Bon apparemment j'avais déjà récolté un Summersloop. Je sais pas du tout ce qu'on est foutu, peut-être dans le coffre. Je vais aller en chercher vite, faire un deuxième. Et ça va nous permettre de débloquer les technologies. Et comme j'étais persuadé que les Summersloops, j'en avais pas débloqué un seul, on va faire ça ensemble. Il y en a un qui est pas très très loin, il y en a un qui est apparemment par là. Je vais bientôt tomber moi. Si je regarde pas où je vais, ça risque d'être compliqué. J'y ai passé... en vrai j'ai passé je sais pas combien de temps à miner du minerai EME. Je vous jure. Voyons. Attendez, je suis pas très. Je l'ai dépassé même. Apparemment, il y en a un dans le coin là. Attendez. J'ai pas un. Si. Est-ce que je peux trouver Summersloop avec ça? Oui. Putain, j'espère qu'il est pas sous terre par contre. Summersloop. Oh merde, ah. Il doit être dans une grotte ou un truc. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Oh merde. Ah ouais, il est là-dedans le Summersloop. Ouais, forcément. Bon, je crois que pour avancer. Oh, quoique. Putain. Ah, si, je le vois, il est là. C'est pas cool ça par contre. Bon. Okay. Je suis pas bon. Si c'est bon, je l'ai eu. Chercher le Summersloop là. Avance tranquillou là. J'ai pas envie de me faire intoxiquer. Hop. Mais c'est bizarre ça. Ah si, ça m'empoisonne. J'étais en train de dire c'est bizarre, ça m'empoisonne pas et je vois pas de particules. Bon après le souci des particules c'est peut-être que je suis en ultra basse. Définition. Ok, donc on a notre 2 ou 3ème Summersloop hein, si j'ai oublié ou pas que j'en ai fait. Ah ouais, il est par là, base. Comment ça? Je suis où? Ah, je suis là. Okay. Ah ouais, d'accord. Ah bah attends, je suis pas loin. Ah, il y a une entrée d'une grotte. Ok, très bien. Bah écoutez, comme quoi on découvre des choses tous les jours, c'est impeccable. Ah ouais, je suis vraiment. Béril. Donc ouais, comme je disais, j'ai passé du temps à, je sais pas combien d'heures, peut-être facilement une heure à miner de l'EME et de le transformer là. À pouvoir débloquer tout ça. Je me demande si on va pas aussi débloquer la signalisation ferroviaire depuis le temps que j'ai commencé à la mettre là. À débloquer ce machin, peut-être me dire que au bout d'un moment. Bah, on va peut-être bouger un peu le fion, quoi, et faire quelque chose avec. On va peut-être remplir les conditions. Voilà, donc, j'ai un disque dur aussi, tiens, ouais, bah oui. Ah, mais non, attends. Disque dur, j'en ai besoin pour un truc, non? J'ai pas besoin d'un disque dur pour faire un autre truc, là, dans le MAM, ouais, je crois qu'il y a besoin d'un truc comme ça. Donc, inventaire. Ah oui, voilà, bah, j'ai tout dans l'inventaire. Hop, putain, ça se voit. Alors, le quartz, putain, c'est rien de source. Ah, ouais, j'ai tout ça à faire. Technologie extraterrestre. Donc, on va partir là-dessus déjà pour commencer. Alors, il me faut ça, du circuit imprimé et des ordinateurs. Technologie extraterrestre. Donc, on va débloquer ça.
Power augmenter unlocked. Summer sloops naturally harvest. Harvest? Yes, harvest energy from distant sources and distribute it locally. The power augmenter supercharges summer sloops by feeding it local power, increasing its harvesting range and efficiency, and thus power output. Basically, the more power it's given, the more it provides. Do not loop the loop organ. It will shred and tear and unravel the threads. Many temples burned. Good to know. That confirms that hypothesis. La théorie des cordes. Ouais, il parle... Attends, c'est compliqué de suivre. Hein. Production amplifier unlocked. Every single manufacturing and smelting building will be backwards compatible with this new technology. These buildings can now have a summer sloop embedded to increase resource output without requiring more input, at the cost of greatly increased power consumption. Flow cycles within flow cycles make explosions into temples and explosions into temples. The spin sphere of woven windows. Each tiny body contains tinier bodies until line layers fold into curves which folds into threads which weave the tapestry. A song of light and leaf and flower, a dance of matter clouds and... I think they're trying to explain energy to matter conversion theory, but you do not need to understand it to do your job. I'll just mute them for you so you can continue your mission. I, however, will be taking notes. This is fascinating material. C'est dommage, hein? Moi j'aimerais bien mais comprendre, hein, pas de problème, hein. Je suis ouvert. Je suis toujours ouvert à des explications. Hein. Techno extraterrestre. Allez, on va débloquer le dépôt dimensionnel. What the fuck? Dimensional depot unlocked. SAM can be utilized to deconstruct matter down to its chemical elements in one dimension, and the Mercer sphere allows it to be transferred and stored in another. Once parts are fed into the dimensional depot, they can be accessed by the Pioneer inventory and build gun system at any time, anywhere. We see through the window. It is pathetic. Consume more blood. The glass will not shatter, the metal will not bend, the wood will not splinter. Weave. Dépôt de piles du dépôt dimensionnel. Montation du dépôt de piles du dépôt dimensionnel. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Ça veut dire que là j'aurais débloqué un truc dans l'organisation. Oui. Faut des cadres modulaires. Dis-moi que j'en ai qui traînent. Oui. Comment ça fonctionne ça? Super le poteau d'eau. Waouh! Waouh! C'est original ça! On peut rentrer dedans! Ah watch! Oh, ça pique les yeux là! Attendez, si on va devant là! Ouais, l'écran bleu! Qu'est-ce que c'est? 15 par minute! Waouh! On peut envoyer, ok! Et sinon, j'ai accès comment à mon dépôt dimensionnel? Putain, le taux d'envoi... Pas ouf. Ok. Admettons, maintenant je fais ça. Ouais. J'ai pas de vision, hein. Ah, d'accord, j'ai... Je sais pas sur ce qui, je sais pas du tout ce qu'il y a dans mon dépôt dimensionnel. Hein? Ok. Donc ça, je suppose que tout ça, là, me rajoute des options dans mon dépôt. Augmentation de piles. Ça coûte vachement cher en faire en sphère de Mesmer ça. Dimensional expansion increased to 200%.
Refining manipulation of SAM allows us to now deconstruct non-living matter down to its atomic components in one dimension, and store it in basic bound states in another. We do not resonate with the tribute song. Do not worship at the window. Desecrate our temple gifts. This shallow serenade is sour and salt. My intention was not to encroach, if that is what upsets you, nor was it to dispose of material, I do not waste. Mais s'il te plaît, discute maintenant, on va derrière le machin. Ok. Attends, donc là, si c'est augmentation de pile. Ça veut dire que je peux en mettre plus là. Ah oui, j'étais à 500. Ah d'accord, c'est capé comme ça. D'accord, oui, d'accord, je comprends. Ok, intéressant. Vitesse d'envoi, bon, ça je sais à quoi je vais faire bien. 30, on double, c'est pas mal. Dimensional upload speed increased. Part of the kinetic and thermal energy released during matter conversion has now been repurposed to aid with dimensional shifting, allowing for more parts to be transferred in a short time frame. Loop the veins, use the flow, make a curve out of a line. Your shallow minds create shallow solutions, pretty ripples. Shallow mind? Pretty ripples? I certainly hope that wasn't meant to include me. Peut-être trop bien que si. Alors, ok. Permet l'envoi depuis. Oh, ça c'est pas bien. Manual depot uploader unlocked. Storage dimension and pocket dimension now connected both ways and stable. Parts can now be uploaded to the storage dimension directly from the inventory. Note. The storage dimension now understands the boundaries of the pocket dimension and recognizes the distinction between matter belonging to the pioneer's inventory and matter belonging to the pioneer. The window within a window within the shallows within the deep, curling around itself separately, echoes strangely. I'm sure strange is the correct term for what this must feel like to you. Ça c'est vraiment sympa. Donc ce que je vais faire à mon avis c'est que... Je vais chercher plein de ces sphères là. Je vais me faire une exploration pour trouver un maximum de sphères. Putain, attends, c'est cher, 23, 46 sphères. Waouh. Ça fait cher. Il va falloir 86 sphères encore là en tout. C'est quoi ça? Éclat de charge. Waouh, 100. Ouais, tu vas te calmer mon ami. Ok, intéressant. Intéressant tout ça. Voyons. Je cherche aussi. Chercher un truc. Ah, c'est vrai que... Quoi? Tiens, c'était pas pareil ça avant. C'est peut-être pas la même couleur. Je voulais débloquer aussi des technos là. Là genre tout ça, là, on va pouvoir. Pouvoir débloquer des choses. C'est un équipement de main. Électrolimace. Ah oui, cristal temporel, non, ça j'ai pas. Quartz. Ah ouais. C'est... Ah non, ça on a pas. Il souffre. Bon, on va partir sur, sur nos technos là. Ah c'est ça. Charbon compacté. Et charbon compacté qu'on peut pas faire à la main et sniff. Je crois du moins. Il me semble qu'on peut pas ça. C'est un peu le. On peut pas. On est obligé d'avoir une assembleuse, donc prod, on va faire une assembleuse. Ouais, rotor câble, une plaque de fer, compacté. Hop. L'assembleuse SV please. Je vais monter vite fait à ça. Hein. Et on avait dit charbon compacté. Hop, tac et tac. Attends, je vais booster, je vais t'aider un coup là. C'est un peu long. Ah oui, si. Ce que je vais pouvoir faire, c'est poser ça. Et poser ce que j'ai en trop là sur les technos extraterrestres.
tout ça. Là, on retrie un coup. Ouais, je me permets de faire un petit tri. Hop, voilà. Et je vais aller poser mon bois. Ah, quoique, je vais avoir besoin de trucs, donc non, pas de suite. Alors, il me fallait 15 chambons compactés, je crois. Yes. Allez, voilà, je fais la recherche pour le turbo-carburant. Donc, je vais pas me servir parce que c'est... voilà. Carburant, défusé. Turbo fuel unlocked. This upgrade to regular fuel is optimal for fuel-powered generators, jetpacks, and fulfilling long-distance trucker fantasies. Carburant ionisé, tout ça à mon avis, c'est pas pour de suite. On va débloquer ça. Poudre sans fumée. Ça, de toute façon, j'en aurai besoin de tout ça. J'en aurai besoin de ça également. J'en ai d'autres. Oui. Et de munitions, là j'ai besoin de munitions. Ouais bah tu sais quoi, fini ton truc, hein, tant qu'à faire. Il me faut 200 munitions. D'ailleurs je vais faire un constructeur dans lequel je vais tout foutre. Je vais mettre le reste parce que dans tous les cas je vais avoir besoin de munitions pour faire les recherches technologiques et au pire pour me défendre. Au moins j'aurai des choses quoi. Voilà. T'as tout fini toi? Ouais. Donc constructeur. Par minute, oh, c'est long. Bref, on lance notre recherche. Allez, ouais, ça. Caoutchouc et moteur. Explosive rebar unlocked. Rebar ammo that explodes on impact. Suitable for removal of unwanted obstacles, creatures or limbs. On cherchait du caoutchouc et nos moteurs, on va là-bas, mais... Ici, tiens, on va prendre un peu en rap. C'est pas comme si on en avait pas au niveau de la production de caoutchouc, hein, on en produit des tonnes et des tonnes. Qu'on envoie à la benne d'ailleurs. C'est quand même moche. On en avoir tellement qu'on sait pas quoi en foutre. C'est là où le truc des sphères de Mesmer là, ça pourrait être pas mal. Hein. Celui-là, je suis juste à dire, bah écoute, tu me les fous dans le dépôt là. Alors je peux. Attends, c'est vrai ça d'ailleurs. C'est vrai que j'ai dit là, je peux en récup, mais. Ah si, je peux en récup. Oh merde! Ah ouais, ah, c'est plus facile à faire revenir. Et ouais, que là, si je stocke les moteurs là-dedans, là, en vrai de vrai, toujours en avoir de côté, c'est plutôt pas mal. D'ailleurs. Est-ce que là, comment ça se passe? Ouais, c'est à la queue le. Ok, d'accord. C'est plutôt sympa hein, le stockage dimensionnel, hein, j'aime bien. Ça rajoute un vrai plus. Hein. On a moins à se faire à s'enquiquiner, pardon, avec ça. Et dis-moi que j'ai des moteurs, hein, s'il te plaît. Oh yes, oh bah. J'en ai beaucoup. Bon, comme c'est amené à grandir, je vais en laisser quelques-uns. Bon, moi, là, je saurais que. En dépannage. J'aurai ce qu'il faut. Hop là, voilà. Ah oui, je voulais faire le signalement ferroviaire aussi. Je suis pas sûr d'avoir assez de tuyaux en acier. Je sais pas.
va quand même falloir aussi que je débloque ma phase 3, mais avant ça, je voudrais... Ah ouais, non, je débloque ma phase 3, ouais. Ouais, je sais pas mon kiki, hein. Ah, je sais pas comment ça se passe au niveau de l'ordre. Parce que j'allais dire, est-ce que ce serait pas mieux que je fasse de la production, tout ce qui est lié au quartz, etc. avant, pardon. Mais en final, je sais pas. En vrai de vrai, j'en sais rien du tout. Il faut quoi, des... Ouais, j'en ai plus de masse, hein. Les ordis, c'est bon. Ah, et ça, c'est bon aussi. Bon, ça va que le cuivre, j'en ai pas loin, quoi. Pourquoi je faisais ça, déjà? Un techno, non? Oh oui. Rifle and rifle ammo unlocked. A long range weapon and rapid fire ammunition, only to be used for the defense or acquisition of fixed property. Conveniently, this includes everything of value on this planet. D'accord. Ok, ouais. Qu'est-ce qu'il y a de la valeur? Oui, d'accord. En gros, on a rien à foutre des pauvres. C'est ce que le jeu il dit. Hein. Défendez les riches, les pauvres, on s'en bat les couilles. Hein. Non, mais c'est quand même un jeu qui se fout bien la gueule ouvertement de. Disons que c'était pas. C'est un peu à la OSS 117 en fait. Il faut le prendre comme ça. Le jeu, c'est. C'est tu sais que le personnage principal, tu vois, il est raciste, il est tous les pires trucs au possible. Mais en fait, il le montre tellement ouvertement de manière con que c'est là où tu comprends l'ironie, quoi. Bon, apparemment, il y en a plein qui comprennent pas l'ironie, hein, par contre. Et qui vont chialer sur le dernier, bon, bah, bref. Et ouais, en vrai, intéressant. Tiens, je bouffe ça. Impec. Il y aura ça à faire aussi. Milestone reached. Train signals placed on train rails can control and improve train behavior. This helps to avoid events where multiple trains attempt to occupy the same physical location. For information related to earlier train events, please refer to your employee non-disclosure agreement. Ok. On va peut-être faire une fusil, quoi. C'est bien de. Ah, c'est pas les mêmes trucs. Et il me faut des vis. Pas de problème, j'ai la coupe. Désolé, c'est mon genre d'humour. Vous me connaissez maintenant. Eh ben, dis donc, c'est pas facile à faire, hein, ça. Voilà. Qu'on va prendre d'ailleurs en main. D'accord, bah j'ai pas eu le droit de le voir sur le premier. C'est pas grave. Souffre. Qu'est-ce qu'il me demande? Des nobelisques. 200. Ça va, je te fais pas chier. Hein. Donc qu'est-ce qu'il te faut? La poudre noire. Ça, je dois en avoir. La 200, ça fait beaucoup quand même. Oh bah j'en ai là. On va céder, on avait une assembleuse. Attends, c'est pareil, voilà, la production de nobelisque, etc. à terme. Tac et tac, voilà. Ah. Allez, produis ton bordel toi. Là, j'en ai mis 100 à produire dans la machine. Ah, dans la sombleuse. Ok. C'est bien.
c'est pas trop, c'est pile ce qu'il faut. Enfin, c'est pas pile ce qu'il faut, mais c'est pas trop, mais c'est bien comme. C'est un bon nombre. Tac, allez, 160, 180. On produit 1,5 par minute, oula, par seconde. Ou alors sinon ça fait longtemps que je... que le rush a commencé. Tiens, allez, cadeau. C'est quoi ça? On s'en bat les... Cluster Nobilisk unlocked. This type of Nobilisk detonates into multiple smaller explosions. Can be used for clearing large areas of vegetation and other inconveniences. Addendum. Inconveniences, in this case is not defined to include persistent family members, raccoons, student debt, the sunrise, peer performance reviews, neighbors learning to play the saxophone, mm-hmm. phone calls, or your favorite show getting cancelled. Putain, un câble dedans. On va faire ça surtout. Plus de place dans l'inventaire, oui, je dis oui. Pocket dimension inflated by utilizing numinous gel hydrology channeled through an etheric spigot. Some used to say this as impossible, but the meaning of that word has long since been removed from my dictionary. Et tout ça on n'a pas encore, ça c'est pas très grave ça. Ah oui, ça aussi je voulais, enfin toutes les technos. Bon ça je m'en fous un peu en soi, mais je vais le débloquer histoire de dire c'est débloqué quoi. Là, j'ai entendu, lui il est en train de revenir là. Béton et cadre lourd. J'ai cru que j'avais une coupure. J'ai cru que j'avais... Je me suis dit, bah comment ça? Hein? Ah, j'ai tout utilisé en... Ok. Bah je vais aller chercher du caoutchouc et des PC, parce qu'apparemment, même les PC, j'aurais tout utilisé, tiens. Ah, et j'en ai pris en rab en plus du caoutchouc, hein. Bon, c'est vrai que le caoutchouc, je suis impeccablement tranquille. Je vais même aller rechercher un peu de... je sais pas si j'en ai là, on va dépasser encore. Non, on va aller rechercher. On va chercher de l'ordinateur. Et j'en profite pour aller chercher un peu de carburant conditionné. Ce que j'utilise maintenant, oui, en a step up. Ça, ouais, c'est pas plein, hein. Ça met du temps à se remplir, mine de rien. C'est... Hop, est-ce que j'ai du béton? Ça, c'est. Non, bon. Au pire, j'en ai juste là-bas.
Il va vraiment falloir faire un tour des sous-mars ou pas. Des sœurs de Mesmer. Summer Sloop, en fait, j'en ai pas besoin de plus que ça, j'ai l'impression. Peut-être pour booster la prod, alors je sais pas trop de quelle manière encore. Mais... ça, j'ai pas trop compris comment je peux booster ma prod. De... ah, faudra que je regarde si j'ai pas un Summer Sloop quelque part. Parce que j'ai rien vu qui s'apparente à de la prod, à de la boost de prod quelque part. Il y a une limite max de hauteur dans le jeu. Ça va me faire tilt d'un coup là. Ça va suffire. Donc deux choses, tiens toi. Cadeau. Et cadeau. Milestone reached. The blueprint Mark II improves upon the Mark I in every dimension, except for the metaphysical ones. This improvement was made available due to complaints from pioneers about other pioneers not being capable of managing their space efficiently. We listen to pioneers, always. Écoutons toujours nos premiers, surtout quand ça permet d'automatiser des tâches qui vont plus rapidement et qui sont plus efficaces au travail. Ah! Oui, c'est vrai. On écoute toujours nos employés uniquement. On écoute toujours nos employés, mais uniquement quand ils ça leur fait produire plus, ce qu'ils nous demandent. Voilà. Dans quoi, dans spécial Modeler MK2. Il est vraiment plus grand lui. Et ouais, peut-être. Ouais, je suis pas sûr. Ouais, bon. On va dire que c'est un peu plus grand. Attends. On va comparer comme ça. Mais c'est à peine plus grand. 1, 2, 3, 4 là. 1, 2. Ça. MK2. J'espère qu'il y a du MK3 au moins après quoi. Alors 4, 5, parce que là. Déçu. Hein. Je m'attendais à un truc génial et. Mais là je suis déçu. Hein. Là je suis quand même bien déçu. Non, toujours pas ça. Ouais, on va voir ce qu'on va pouvoir faire ensuite. Tiens, je vais aller sur mes petits trucs là que j'ai lancé vite fait en prod. Ah, multiplicateur de sortie. Ah ouais, attends, tu peux en mettre autant que tu veux, ça multiplie par... Non. Non, à mon avis, c'est un peu trop puissant ça. Ok, non. 2 2. Comment ça 2? Attends, multiplicateur. Oh, mais oui, je suis en train d'y penser. Tu prends un truc. Tu prends ça. Les volets là, les trucs, les éclats de charge, les machins. T'en mets un et t'en sors deux juste pour un peu plus d'énergie. Moi j'aime bien le principe. Oh. C'est un peu le bordel là. Oui. Oh, attends, j'ai 50 000 PC là. Ok. Ça, je récupère. Ok. Est-ce que j'ai des trucs à déverrouiller? Ah oui, alors oui. Si, je voulais les technos du mycélium, je crois. Ça, allez. Il me faut. Bah, justement, du mycélium. Et de la biomasse. Combien? 200? 100 mycélium et 200 biomasse. La biomasse, je dois en avoir une chie quelque part. Mycélium, oh, j'en ai une chie effectivement, de la biomasse là. Voilà. Donc 100 mycélium, 200 biomasse et un obélisque. Et ça, j'ai mon obélisque à gaz. Ouais, mais c'est vraiment pas le meilleur truc que j'ai débloqué, mon corps. Et il me faut
parachute. Gas Nobilisk unlocked. Chase away creatures with a damaging cloud of gas. No. Ah, j'ai pas encore also harms unwary pioneers. Tissu, not for recreational use. Oh merde, oh, c'est chiant ça. Je vais devoir faire du tissu avec ça là. Avec le mycélium, ouais, c'est chiant. Ouais. Le mycélium et de la biomasse. Bon, allez, hein. Surtout pour ça. Donc tissu moteur, tissu truc, tissu truc. Tissu truc et truc. Ouais, bon. Je vais chercher encore de la biomasse. Hein, et... Hop, tac. Oh la vache, ça se produit vite par contre hein. On va faire du tissu. J'espère que c'est pas trop long à faire parce que ça fait chier quoi. Ah. Moi, je comprenais pas pourquoi je pouvais faire si peu de tissu. Mais si je comprends. C'est la biomasse. Pareil, si j'essaie d'en avoir pour en avoir, c'est pas terrible quoi. On va voir. On va voir, on va voir. Mycélium. Un parachute pourri là. Parachute unlocked. Fixit appreciates your willingness to descend rapidly to perform your duties, but damaging Fixit property is a breach of contract and will have unpleasant consequences. Improve descent efficiency by combining the forces of gravity and drag with a parachute. Ah. Ah bah j'ai pas pris de carburant conditionné, tiens, faudra que j'y aille. Tu me diras, j'ai toujours j'ai de quoi tenir en attendant, mais la prochaine fois que j'y retournerai, il faudra que j'y pense. Tiens. Hop, c'était là. Résidu de polymère là, mycélium, paf paf. Ici pour. Ah, mais oui, c'est ça, voilà. Voilà, tissu. Research completed. Polyester fabric recipe unlocked. Using polyethylene terephthalate. Production of a lightweight and strong fabric can be automated. It has many of the properties of naturally sourced fabric and also amplifies body odor. Fille des odeurs corporelles, comment ça me ref? Si tu fais plus ça, l'odeur de certaines personnes, je vais mourir d'asphyxie, moi. Bon, au moins on a débloqué la techno permettant de faire du tissu à partir de je crois, résine de polymère. Donc, je ferai une petite production de tissu là en bas, là, avec les... côté des... la production de... enfin, tout le bordel, là, des raffineries, là. Quartz, soufre, non, mycélium. Ah. Ça j'en ai, je sais pas où, mais j'en ai, voilà. Mycélium. Ok, super. Tool belt expanded. The latest data indicates that the mycelia possess sentience. Don't worry, we have been given permission to harvest and repurpose their remains. Et masque à gaz qui va me débloquer les filtres à gaz et tout bazar. Research completed. Gas mask and filter unlocked. Mycelia fabric is highly absorbent, making it more effective at toxic gas filtration than the standard issue Pioneer helmet. A pleasant pine scent is included. Gas filters require regular replacement for optimal safety.
Ouais, je suis mon tissu et tout ça. Ouais. Ok. Il me reste du mycélium. Oui. On va craft le masque à gaz. On va pas craft encore les consommables, voilà, j'ai cherché le mot. Hop. C'est vrai que ça pourra nous donner accès aux endroits un peu toxiques. Ça pourra que je fasse la prod, ça aussi. Ça. Tout le reste, on est bon. Hein. Hop, je crois que j'ai ce qu'il faut. Impeccable. Voilà. Ça ne sert à rien, mais bon. Est-ce que j'en fais pour la forme, quoi. Voilà. Ensuite, sa poubelle. Vache. Sinon que ça là. Ok, d'accord. Et là, on va refoutre le mycélium là-dedans. On sait jamais si j'en ai besoin un autre jour. Ok. Ensuite, ma question c'était. Munition de fusil. Ah ouais. Et du coup, je produis rien à partir de ça. Qu'est-ce que ça fait ça? Pourquoi c'est. Qu'est-ce que c'est? Tourdissant, il y a du fil actif. Il se passe des choses. Non, on va rester sur du classique. Je vais juste faire ça. Une 5. Je vais mettre en craft. Je vais mettre mon assembleuse, je vais pas manquer qu'il y ait un. Hop, paf et paf, voilà. Et ben c'est pas rapide, hein. Tac. Qu'est-ce que je fous là-dedans? Tiens, hop. Là, je vais mettre ça. Allez, je vais mettre ça, regardez. Je sais pas comment tu peux en mettre, tiens c'est intéressant. En vrai rien qu'en mettant là ça fait un espace de stockage j'ai l'impression, non? Alors, regardez. Ouais, ça fait un espace de stockage supplémentaire même si c'est plein, trop bien. Oui, je voulais voir aussi. Non, pas poteau, ça. Dès que. Ah, il faut de l'eau. Ah merde! Ah, c'était pas prévu ça! It was not convenu in the contrat. Hein. Parce que c'est bien beau, mais. Je vais bien récupérer ma résine de polymère, mais on est pas à côté de l'eau. Enfin, elle est pas très très loin en soi, mais. C'est pas la porte à côté non plus, quoi.
plutôt en pour ce qui est de la hauteur. Ah putain, c'est ça le premier truc. Seulement j'avais des munitions. Raté. Oh merde, il m'a repéré. Attention, un martien s'échappe. Merde. Bon. Écoutez, c'est l'occasion de ramasser une électrolimace. Comment ça? Ah non, je proteste là. Cassez les bronzes là. Putain, je l'ai pas vu, hein. Il s'est bien planqué celui-là. Bref. C'est quoi ce minerai? Du cuivre, catharium. Je vais devoir mettre un... une pompe ici. Bon. Et faire en sorte que ça remonte. Putain, ça te chante. Je vais mettre une là. Oh oh. Oh j'aime bien ça. Bon ça a eu tête à sécher hein, putain par contre. Mais oui. J'aime beaucoup. Bon. On va faire ça de suite d'ailleurs. Ok. Et Merde, je suis en train de me demander, mais... Eh ! Putain, c'est trop. J'aurais pu me faire mal, moi, en plus. Tu sais que j'ai de la place pour craft, ça. Ouais. D'où est-ce que ça sort, déjà ? Faut que je vois d'où ça sort de là. Là, et en vrai, le mieux ce serait que je puisse craft ici. Hein. Combien j'en ai? 3. 30, 30 fois. 1, 2, 3, 4, 550. Je vérifie tout ce qui produit. Qui produit ça. Et je fais 150 et. Ah merde, c'est une raffinerie. Ah, c'est une raffinerie. Attendez. Attendez. Non, c'était quoi? C'était N, tissu. 30 par minute, 30 tissus par minute. En vrai, 30 tissus par minute. Ouais, je vais avoir pas mal d'utilisation de tissus à terme, sûrement. Je peux en faire 60. 60 tissus par minute, ça me fait de raffinerie. Et au niveau de l'eau, ce sera largement bon. Hein, donc là, je fais en sorte que mon eau là, elle parte par là. Là. Oh, c'est un peu de traviole ça. Donc ce sera mieux si je suis ici pour la récupérer. Hop.
Ça pompe bien, hein. Ça pompe du sable, non? Ah, 120, 120 par minute, hein, t'inquiète, hein. No problème, bro. Hop, ça, on va couper de manière chirurgicale. Attends, on est trop tenu, mon dieu. Impeccable. Est-ce que j'ai ce qu'il faut? Oui, je sais pas pourquoi, j'en ai plein, mais oui, j'en ai plein. Tac, 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 tac. Hop, on va passer sur l'horizontale. C'est bon ça? C'est moche. Ah, c'est moche, hein. Ah, c'est très très moche, c'est très très laid. Ah, j'étais en courbe. Ah, merde. Comment ça, je peux faire... Oh putain, je peux pas faire beaucoup de support à pipeline. Mince. Ouais, bah le horizontal à vertical, il est dégueulasse. Hein. Sérieusement. Pourquoi c'est... Enfin... Là, si je le mets là, c'est dégueulasse, et si je le mets de l'autre côté, ça gueule, c'est dégueulasse aussi. Oh, un effort. Oh. Là, c'est moche, et là, c'est moche. Ok. Ah. Oui alors. Oh putain. Je vais pas y arriver. Ok. Je suis en 2D, je suis en quoi là? Parce que la courbe elle est comment là? Attendez, on va vérifier un truc. Tant qu'à faire, hein, tant qu'à prendre du temps. Horizontal à vertical. Oui, c'est très bien. 8. Ok. Ouais, l'économie, économie de support. Hein, désolé. Un petit souci avec Oula. Tac. Là, si je suis la logique, on est bon. Oui, c'est plutôt correctement... Plutôt pas trop mal beau. On va essayer de monter un peu, là, prendre de la hauteur. Ça c'est le MK2 à éviter. J'y vois que dalle, j'espère que je suis dessus. Ça a l'air. Ok. Là il me faut deux raffineries. Et pour les raffineries, il me faut des poutres en béton armé. Et ben, allons chercher des poutres en béton armé. Ils ont dû ils prennent cher là ou... Non, impeccable. On est bien lisse au niveau de notre prod. Ici.
en prendre quelques tiges. Et quelques ça. Ça un peu, histoire de, voilà. Je suis pas hyper tube. Et en plus, c'est qu'il y a un truc qui est trop bien. C'est que 32 résines de polymère est consommée à 30 à la fois. Donc. Une et deux. J'ai presque pas mon kikiné en plus normalement. Ah, c'est quand même d'entrée d'eau là, faut pas déconner, j'ai zappé ça. Tac. Ça disparaît. Ça aussi. Hop, ça. Ah merde. Chier. Bon. Ça. Même pas la mauvaise couleur, donc on est bon. What? Ah, pardon? Mais c'est... Ah, c'est une blague! Attendez... Alors là, c'est bon, là, une coupe dans le potage, c'est pas très grave, voilà. Pas comme ça, hein. Tiens, j'ai ni mis électricité, ni mis ce que je voulais que ça produise. J'ai pas configuré la production, voilà. Ni branché au réseau. Je suis bien là ? Ouh, je suis pas bien du tout. Voilà. Tu me diras que j'ai... Voilà. Là, c'est... Ça. Là c'est ça. Et oui là on va raccorder à l'eau. Comment ça? Évidence. 3, 4. Là, donc il n'y a pas de boue parce que j'ai pas la pression nécessaire. Mais pour le reste, on est bon. Donc, il va me falloir mettre ça. Pour ça, il me faut du plastique, j'ai tout ce qu'il faut. Oh mais c'est trop bien le plastique, en plus il est juste à côté quoi. Paf, 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 hop. On n'a pas besoin d'autant, mais il me semble que j'en ai pas beaucoup de stocké autre part, donc je vais en prendre. Et on va faire les pompes. Wouhou. La première ici, non, alors de l'autre côté. On sort jusqu'à où ça monte. Ah, ça monte quand même pas mal. Hein. Ouais. Bon, sinon c'est pas drôle, effectivement. Alors, comme
comme ça. Et lui, hop là, voilà. Une pompe qui va là, je pense. Bah ça devrait se remplir. Ah oui, mais ça c'est déjà bien. Là c'est déjà plein, ça, tout ça c'est impeccable. Lui, il devrait être... Il devrait se remplir, je suppose, petit à petit. On va voir. Ça se remplit bien. Le débit continue de monter. Tant que le débit c'est qu'un colle pas. Le débit est bon. Attends, pardon. Comment ? Ça monte encore là ? Vache. J'adore l'histoire des 50 mètres. Hein. Là le débit, oui mais c'est normal parce que ta. Là ça remplit. Attendez, ça va quand même pas y monter tout en haut, faut pas déconner. Si, 50 mètres là, un tout en bas et... Vraiment ? Ah, ça galère un peu hein, quand même, hein. Ouais, non, je vais en rajouter un. On va pas être... On va pas être si gourmand que ça. Je vais en rajouter une pompe en bas, là. Voilà, comme ça, on est sûr... que ça monte bien comme il faut tout en haut. Voilà. Tac, voilà. Et là, ça devrait alimenter comme il faut. Hein. Un qui prend bien là, il y en a une des deux qui prend à fond et l'autre qui prend pas. Ok, dommage. Si, si, pourtant on est bien. Hein. Je sais pas. Ah, si, c'est bon. C'est le temps d'avoir du débit qui se fasse. Hein. Après ouais non mais là si je le mets en dessous le problème c'est que ça va pas s'en plein milieu donc on va le laisser là. Je vais pas te laisser traîner ses pattes quoi, c'est là j'ai 60 tout pile parmi qui sont produits donc là vu que j'ai ça en quantité je vais rester sur du M4 et hop. Cooper. Tac tac tac. Comme ça je vais avoir du tissu. Du ça c'est cool. Un peu chiant ça. Pas en face. Ah ouais, non, effectivement, je suis pas du tout en face. Hein. Et ah merde. Tac. Bah, falloir refaire un autre système de tri et de surplus, de tri de surplus quoi. Oula, je sors ça comme ça moi. Ok, pourquoi pas. Il manque des câbles. Ah, tu vas les avoir tes câbles, pas me saouler. Hop.
Ouais, là, je... là, il va falloir un peu de place hein, quand même. Là, je vais pas passer là. Tac. Hop. Tac. Oh, le bordel. Oh, là, ce qui est... Pourquoi j'ai 30 câbles qui traversent le machin? Ah, c'est les alignes de ça. Oh, c'est bon, j'ai fini à ce moment. C'est pas grave ou quoi? Dès qu'on fait les choses mal, c'est de la merde. Ça va, c'est mal fait quand c'est pas bien fait. Donc, trêve de plaisanterie. Toi, je te vois, toi. Toi, tu traverses là. T'as un sagouin. Ok. Là, j'ai un câble là qui. C'est pas trop ce qu'il fout, pareil. Là, ce qui fait que ça, ça dégage. Là. Ça, là. Ce qui fait que ça, ça dégage. On est bien. Hein. Là, je fais ça. Bon. Hop, on rajoute. Partie terre à ce niveau-là. On va essayer de faire ça droit, s'il vous plaît. Voilà. Tout le tissu là. Ça vient de nous faire un autre truc de stockage. Je peux pas là. Dommage. On va faire un là. Avec une première partie qui va. Pas sans kikiner comme ça là. Trop. Oh non! Ah non, c'est chiant. Ah non, pas trop long, s'il te plaît. Oh merde. Bon. A tricher un coup. On aurait vu. C'est où? C'est là. Alors, je vais essayer d'être en face de ça. Je sais pas quelle est la hauteur. Impeccable. Voilà. Vache, il y a une production de coke de pétrole là, par contre. Ouais, ouais, d'accord, ok, non, ça va. Tous les tissus là que j'avais commencé à produire là, ils sont en train de sortir. Ouais, on voit. Ah non. Ah non, ça c'est une petite différence de. Voilà, voilà. On voit que là on produit moins, bien moins que... Bon, on a 60 par minute. Je sais pas encore ce que j'en fais des tissus. Pourquoi j'ai fait des tissus? Quelqu'un peut me dire pourquoi j'ai fait des tissus? Peut-être pour plus tard. Sûrement pour plus tard.
Très sûrement pour plus tard. Coucou, qu'est-ce que ça me donne, toi? Qu'est-ce que j'ai... Non, dépôt, on peut mettre autant de trucs qu'on veut ou quoi? C'est trop bien, ça. Ah, mais oui, voilà, j'ai utilisé des cadres modulaires lourds du dépôt. Ah, je me disais aussi. Me disait qu'il y avait un lit sous roche. Paf, ça on s'en fout, ça on s'en fout, ça on s'en fout. Et là, c'est... j'ai fait quoi là-dedans là? À l'arrêt. Pourquoi l'arrêt comme ça là? Nombre de munitions max? En effet. Et là? Voilà. J'utilise une munition, tu peux utiliser des munitions de ça là? Bonne question. Oh la vache! Regardez la différence là, hop, ça assombrit tout ce qui est à côté. Là vous regardez à côté. Intéressant. Ça, on va mettre là. Ça. On est pas trop mal. Je peux stocker des foreuses portables. Génial. Trop trop bien, je savais pas. Wow. Ah, ça ouvre beaucoup de possibilités ça. C'est génial, je suis comme un gamin là. Je suis un gamin, un grand gamin. Comme on dit, un vieux gamin mais un grand gamin. Je découvre ça, j'adore. Et ouais, il va falloir faire la course au Quaterium. Donc là, très certainement, ce que je vais faire, c'est de l'exploration. Mais vraiment, une grosse exploration. Oh, mais attends, je suis en train de penser à un truc. En explorant, quand je dois utiliser des... Vous savez, là, quand on doit ouvrir, là, pour les circuits et les disques durs, quand on doit ouvrir des trucs, là, je pourrais utiliser des trucs directement qui sont stockés là. Oh. Génial. Attendez, regardez. Tac, 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 paf. Et tac. Donc ce que je vais faire là, c'est hop. Là, je vais rajouter de ça là. Oh là là, mais attendez, mais c'est génial. Voilà. Je vais aller explorer, explorer tout là et... Je vais explorer toute la map et ben, je vais rapporter, essayer de rapporter un maximum de... De Summersloop, de trucs EME, de tout le bazar possible quoi. Bah j'espère que l'épisode vous aura plu en tout cas et je vous propose de me retrouver très bientôt après une bonne exploration pour le prochain épisode avec plein de disques durs. Allez, c'était Tiob.